Comme les turfistes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Donc, c'est parti pour ce quinté qui va se dérouler demain sur l'hippodrome de Clairefontaine. Le prix Femmes et Challenge BBY CCI Normandie. Voilà, ça sera du triple chaise, un handicap. Donc, qui dit handicap pour moi, Lottery et Spot. Voilà. Donc, au total, il y aura 18 partants, donc il y aura le plein. C'est parti pour mes pronostics. Voilà, alors mes trois bases, ce sera les 8 élégantes du chaînet. Elle vient de gagner, elle peut doubler la mise. Bonne jument, attention à elle. Le 4, Starkov, lui aussi, derrière moi, il a fait une très belle course. Il se plaît sur le steeple, ça peut viser la victoire. Une petite surprise avec ce 12, Defy Doudery. Là aussi, ça sera une petite course visée, attention. Derrière mes outsiders, le 3 Football Isto, on connaît, hein, il avait gagné le quinté avec Riku. Hein. Très bon cheval, attention. Le 7 Bonora, pareil, qui fait toutes ses courses. Et le 2 Razango, faut pas oublier qu'il a été placé des groupes 3 à Cannes-sur-Mer, je crois que c'était le prix de Nice. Donc sur cette valeur-là, il ne faut pas l'oublier. Et après, j'ai mis dans le chiqui du flambeur le 14 et le 13. Voilà pour le quintet de demain. Donc le débriefing de la course d'aujourd'hui. Quand vous voyez un peu les cotes, c'est toujours pareil. Hein. Toujours des belles cotes en plat, en handicap, quoi, bien sûr. Donc le 12, Investor avec Soumillon, 10 contre 1 qui gagne. On l'avait mis dans notre jeu. Le 1, Checkpoint Charlie, Pasquier, on l'avait mis dans notre base. Le 13, Best for Fire avec Ronan Thomas. Lui, on l'a pas. Le 6, Amherst avec Michael Barzolona, l'homme en forme. On l'avait mis dans nos bases. Donc on a l'As I6 et le 12 dans notre jeu. C'est pas mal. Et le 5 Babar que j'ai écarté qu'on n'a pas. Donc là on touche aucun jeu. Hein. Dommage. Bon, on peut toucher 2 sur 4. Vous avez joué mes 3 bases en 2 sur 4. Vous touchez un 2 sur 4. Donc sur nos bases on en a 2. Et derrière notre outsider on en a 1. Donc ça fait, on a 3 chevaux de quinté. Ça fait 60%. Donc c'est pas trop mal un handicap. Hein. Voilà. Donc. Les jumelles pour finir ce mois, eh ben, on l'a pas eu, dommage. D'autant qu'en plus, je sais pas pourquoi je joue cette course alors qu'il y avait une autre course à Sarthe où je voyais Bazir et Alexandre Privard hein, avec David Simbond et... où ils ont gagné les deux, quoi. Mais bon. Voilà, donc là, on n'a pas ce couplet. Le couplet caisse pour le mois de juillet. Donc, on commence un nouveau mois. Ça sera à Vichy. La première course, Emerald VB avec Jean-Michel Bazir. Voilà, déféré des 4 qui revient. Voilà, donc attention à Bazir. Et le 4, Epion du Goutier. Voilà, j'ai mis ces deux-là. Ce sont les deux chevaux qui ont été malheureux dernièrement, qui avaient beaucoup de ressources, mais qui n'ont pas pu s'exprimer. Attention à ces deux-là. Derrière, pour un report, eh bien, j'ai mis report GMB. Eh ouais. Donc ce sera sur les trois premières courses. Il y a GMB et GMB, je crois qu'en plus, il a les trois premières chances. Et je le vois quand même gagner les trois courses. Hein. Donc attention. Donc voilà le 106 Emerald VB, le 202 Emblème Castellet et le 306 Déborah d'Amboise. Donc pour ceux qui veulent faire un petit report GMB, ce sera dans les trois premières. Voilà mes amis. Donc moi, on va montrer notre tableau. Hein. Notre tableau. Donc tableau couplé caisse pour une mise de 20 euros. Donc 10 gagnants displacés du mois de juin. Tout ce qui est en vert, c'est les couplets placés et couplets gagnants qu'on a pu toucher sur ce mois de juin. Donc je repasse doucement. Hein. Voilà. Après, on a eu notre série de 0, vous savez. Et à la fin, on a touché encore un couplet. Et bon, c'est 3 derniers jours, 0. Donc, ce qui fait une mise jouée de 480 euros. 680 euros de gain. Bénéfice, 200 euros. C'est pas mal. Pour un premier mois que je fais couplet caisse, c'est pas mal, 200 euros de gain. De gain de bénéfice. Donc voilà, mois de juin, nos couplets caisse nous ont fait plaisir avec 200 euros de bénéfice, avec 5 couplets gagnants et 6 couplets placés. Parce que quand je mets 5 couplets gagnants, donc on a touché aussi le placé, et on a touché une fois juste que le placé, donc ça fait 6 courses. Donc c'est pas mal, d'autant que c'est dur de trouver 2 chevaux. Déjà qu'on fait un CDJ, alors il faut qu'il y en ait les 3, alors qu'on en trouve 2, on a encore plus de chances qu'ils ne sont pas. Mais bon, donc là. C'est pas trop mal. Donc on va essayer de faire le mois de juillet
Pareil, hein. On va essayer. Voilà, mes amis. Donc voilà, moi je finis sur cette note. Moi je vous dis bon jeu et bon pronostic. Ciao, ciao!